Béju! Alors voilà, ben, ce qui est arrivé arriva. J'ai voulu montrer des papiers qui sont sur la miniature qu'il y a de la vidéo. Et je les ai pas trouvés. Et j'ai commencé à fouiller, mais absolument partout, 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 partout. Et j'ai fini par les retrouver. À plat, dans le sac, que j'ai fouillé 3 fois. Parce que, au fond, il n'y avait que des petits des trucs électroniques, des stylos, enfin du bazar. Et puis dessus, il y avait des papiers, etc. Et tous des trucs plutôt posés en vertical. Donc je me suis dit, c'est peut-être par là, etc. Je me cherchais dans mon armoire et tout, et tout. Bref. Et ouais, c'est un truc que je voulais pas perdre et que je ne perdrai pas. Je refuse que ça arrive. Sinon, j'y retourne. Je vous le garantis sur facture. Parce que c'est des papiers qui me permettent de ne pas oublier ce que j'ai fait, ce que je suis, ce que je serai toute ma vie. Et que toute ma vie, je devrais faire gaffe. Toute ma vie, je dis bien toute ma vie. Parce que le moindre événement peut tout faire basculer. Donc c'est très 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 compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et ça, personne ne peut vous l'expliquer mieux que quelqu'un qui le vit. Et je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Les gens qui connaissent, les gens qui... On n'en a rien à foutre. C'est la personne qui consomme d'avoir la force mentale d'y arriver. Les autres sont le proche, etc., pour encourager. Hein, ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais qu'on vienne pas me dire, ah, mais je sais ce que c'est, etc. Non, je l'ai déjà dit avant. Et je répéterai ça ad vitam aeternam très, 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 très certainement. C'est mon côté casse-couille, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai perdu? Comme ça prouvera à certains que j'y étais, et autres. Hein, voilà, hop. C'est ça. Voilà. Voilà. Ah, c'est mieux, c'est mieux comme ça même. Hein, voilà. Là. Voilà. Hein. Ça, c'est des papiers que vous ne pouvez pas avoir sans avoir fait la première séance. Il n'y a pas, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de petites caissettes comme pour le 20 minutes. Hein, parce que je pense qu'enfin, en France et en Suisse, c'est gratos. Donc il n'y a pas de cassette pour ça, quoi. Donc vous pouvez pas vous servir et puis repartir en courant. Hey, j'y étais, nine. Ça ne marche pas comme ça, non, non, ça ne marche pas comme ça. Faut te faire participer d'abord, et puis ensuite. Et ben ensuite, et ben vous avez le droit de vous barrer. Mais après, c'est vous risquez péril. C'est d'abord, vous participez à un nombre. Non, tant vous voulez, vous pouvez même rester y aller toute votre vie. Si ça peut vous tenir comme il faut, etc. Enfin, vous aider, pardon, vous tenir, vous aider. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, mais énormément à cœur d'avoir ces papiers, parce que c'est voilà. Quand je les ai trouvés, je les ai serrés contre mon cœur, j'étais à 2 doigts de pleurer, moi, je vous le dis. Hein. Tout le monde va me dire, ah, mais non, nanana, il pleure pour un bout de papier, nanana, les petits fascicules, nanana, de merde. Hein. Ta gueule. Hein, voilà. Voilà, ta gueule. Hein, voilà, ta gueule. Pourquoi? Parce que c'est quasiment. Attendez voir. Pif, 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 pif. 16, 15. C'est 20 ans de ma vie. Donc vous comprendrez que mon attachement à avoir participé à ça est quand même assez précieux. Surtout parce que j'ai fait du mal autour de moi par des paroles, par mon comportement, etc. J'ai été d'une connerie abyssale, et même partant du fond, mais le fond du fond du fond, en partant de ce fond du tout au fond, hein, niveau moins 8000, et ben, à partir du niveau moins 8000, vous descendez encore plus bas, puis j'étais là, moi. Et voilà. J'ai fait des conneries, je les assume, de toute façon, j'ai pas le choix, hein, voilà, je suis là devant vous. Mais voilà, c'est des petits bouts de papier qui ont l'air de rien, mais putain de merde, ça, moi, ça me tient là. Ça me tient, parce que ça me permet de me rappeler. C'est un rappel, c'est comme un marque-page dans un livre. Eh ben ça, ces trucs-là, c'est vachement important pour moi. Pas autant
pas autant important que ma fille ou des gens comme ça. C'est vachement important. Ça vient dans le top 5. Voilà. Des trucs ultra importants. J'ai m'a dit ultra important. Parce que voilà. Non, non. C'est ça, c'est un. Je pensais faire une vidéo sur autre chose, mais voilà, c'est. Ça vous prouve à quel point il faut se battre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, moi je vois mes 1 ou 2 verres de vin là, tranquille, mais pas plus. Je me bourre pas la gueule, c'est terminé, je suis plus bourré la gueule depuis des années, des années, des années. Et puis, ouais. Je fais très, très, très attention. Ah, je suis ému hein, quand même un peu, hein. Je vous le cache pas, hein. Waouh. J'ai cru y avoir perdu. Fouf. Oh boy. Ouais. Vous vous rendez compte? C'est un petit passage de ma vie. Un petit, ces papiers-là. Un petit. Mais d'une importance. Mais d'une importance. Mais d'une importance. Ultra haute. Oh putain, si je laisse trop mon bras, j'ai l'impression que le salut nazi, putain de bordel de merde, ça fait chier ces trucs, ces appropriations là. Mais enfin voilà, c'est waouh, ça m'a foutu un coup. Enfin, Dieu devant Dieu quoi. Enfin, je me suis tellement mis en tête de pas y perdre ces machins que quand j'ai cru y avoir perdu, j'ai dit je vais retourner. Je vais refaire des séances juste pour les réavoir. Parce que c'est une espèce de bouclier pour moi, ces bouts de papier. Ça fait des années que je les ai et puis ils sont encore en très très bon état. C'est comme je les avais été les chercher hier. Parce que j'y prends soin. Je les laisse dans leur, comment on appelle ça, dans leur enveloppe où c'est écrit bienvenue dessus. C'est comme ça que je les reconnais d'ailleurs. Mais ouais, c'est une sacrée béquille pour moi. C'est une grosse béquille. C'est un pilier, tout ce que vous voulez, quoi. Ouais, à ma fille aussi. Un plus gros pilier, mais ça, c'est un bon pilier. Bonne taille. Bonne solidité, quoi. Waouh. Non, ça rigole pas. Wow, faux, 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 faux. Enfin bref. Voyez, ça c'est des trucs qui m'ont qui m'ont fait perdre des emplois. Le fait de boire, etc. Parce que je buvais au boulot, hein, faut pas croire. Hein. Oh, ah, les pauvres amis, je vous raconte pas. Hein. Alors, vous allez me dire, il faut pas dire ça sur YouTube, etc. C'est tellement longtemps qu'est-ce qu'on en a branlé. Et puis ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie que je connais un autre qui bossait dans la même boîte que moi. C'était pas au coude qu'il avait mal, hein, pépère, hein, il était comme moi, hein, et il mettait de l'huile dans le coude et puis ça coulissait tout seul, hein, il n'y a pas besoin de forcer. Hein. Il ouais, faut pas croire. Hein. Voilà. Ouais, t'es des fucking buveurs, mon pauvre. Ah moi je suis sorti 3 ou 4 fois de là-bas avec des mecs, on a deux trois amis, on s'était enquillé 2 bouteilles par personne, hein. En étant au boulot, hein. J'ai servi des gens dans un état, et pauvres amis, mais racontez même pas, je raconte même pas. Mais le pire, c'est que ce que je leur demandais était bon. En plus, c'est que non seulement j'étais complètement raide, mais j'avais encore le petit peu de présence d'esprit que j'avais me permettait de. Bon, je connaissais toutes les bouteilles, j'avais tout bu, moi, une fois. Bon, les vins à prix pas cher, attention, hein, les grosses bouteilles, certainement pas. Hein. Et ça m'a permis de pouvoir le vendre, etc. Mais. Waouh, les mecs. J'en ai fait de ces conneries-là. Alors, bon. J'ai réussi à remonter la pente et tout, mais comme je vous dis, c'est très 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 important pour moi ces papiers et c'est toute la vie. Ça va me servir toute ma vie. C'est comme les gens qui mettent des petits médaillons du patron des pompiers, du patron des ci, du patron des ça, etc. etc. autour du cou. Donc les saints XY, hein. Ben, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, exactement la même chose. Alors là, vous pouvez y aller à ces machins, quelle que soit votre confession, hein.
Alors c'est très basé Dieu, mais comme ils savent très bien qu'il y a des gens qui y croient pas ou qui ont d'autres dieux à eux, ils disent bah, vous prenez n'importe qui comme être supérieur, et puis voilà, vous confiez à cette personne, quelle qu'elle soit, hein, vous pouvez lui donner n'importe quel nom, que vous soyez, quelle que soit votre religion, bah, vous prenez votre propre dieu ou prophète, tout ce que vous voulez, et puis les autres, bah, voilà, vous pouvez inventer votre dieu à vous, qui s'appelle XY, voilà, ou votre doudou, ou tout ce que vous voulez, voilà, choisissez, quoi. Et moi, c'est ça qui m'avait plu, parce que je trouvais très limite, très cléricale, etc. Parce qu'on vous fait ça dans les paroisses. Donc, rentrer dans une paroisse, c'est comme de mettre, pour moi, c'est comme de jeter de. Comment ça s'appelle ça déjà? Hein? Ah oui. De l'ail. Non, il n'y a personne. De l'ail sur un vampire. Bon, ça, c'est la même chose. Je suis, quoi. Je déteste la religion, quelle qu'elle soit. Je respecte, mais je déteste. Voilà, la seule que je peux supporter, c'est celle des Indiens d'Amérique, des choses comme ces croyances-là. Parce que c'est multiple, et puis ça me correspond plus. Mais enfin, bref, on va pas rentrer dans la religion, parce que j'en ai rien à foutre, et puis ça m'intéresse pas. Pas plus que ça. Enfin, voilà, je pensais faire une vidéo sur complètement autre chose. Puis il m'est arrivé ça, donc voilà, je voulais en faire une parce que c'est important. Parce que c'est important autant pour moi que pour d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Et puis voilà, voilà. Puis aujourd'hui, bah, vous voyez, j'ai fait mes 2h20 de sport. J'ai fait les épaules et puis le dos. Putain. Et je suis rincé. Je suis complètement raide, mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Après, ouais, enfin, je parle partie du truc. Je peux m'arrêter une semaine, hein. Ça n'a pas changé mon physique, hein. Contrairement à d'autres pratiquants, mais voilà. Et puis, bon, ça va passons. Mais, ouais. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ce que j'ai acheté de nouveau en livre. Hop. Donc j'ai été le chercher pour finir ce machin là. Voilà, bah, ça colle tout à fait bien à la à la vidéo que je suis en train de faire. En plus, voilà, le 23, je voulais montrer le 22 l'autre jour, bah voilà le 23. C'est bah, comme toujours, hein, c'est exceptionnel ce machin. C'est bien foutu. Et puis j'ai acheté un autre machin qui lui va pouvoir me servir. Hop. Je l'ai peut-être déjà montré, mais c'est pas grave, je le remontre. De toute façon, celui-là, voilà. Je pense que ça se voit pas mal. Ça va, voilà, c'est parfait. Je regarde en bas parce que c'est comme ça. Hop là. Je pourrais regarder mes couilles, mais bon. Je les vois assez tous les jours. Hop. Puis encore une fois, voilà, c'est synthèse exhaustive des théories et recherche sur le développement humain. Puis j'ai vu, c'est pas mal parce que ça part du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte à plus de 60 ans, quoi. Donc ouais, ça risque d'être assez intéressant. C'est la deuxième édition adaptée au contexte, pardon, européen. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça me semble bien ce truc-là. Ah voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben rien. Ah oui, je vais recommencer une formation là, lundi, pour remonter une boîte, enfin une entreprise. Et puis donc voilà, je m'en sors tranquillement. Et puis c'est cool. Voilà. Je serai plus ce que certains appellent de manière dégueulasse un crevard, un frustré ou autre. J'ai jamais été ça, de toute façon, j'ai rien à branler. Et puis voilà quoi. Enfin, désolé que ce soit pas plus rigolo que ça, hein, mais ça m'a fait tellement un choc ce truc. Et puis comme je tiens aux gens qui regardent ici et puis qui se disent qui peuvent avoir des appétences à l'alcool, etc. Que
Et si vous buvez trop ou autre, bah, allez dans ces trucs. Je vous le dis et je vous le répète comme j'ai dit dans les vidéos Oh, comment ça s'appelle ça déjà? Des addictions. Allez-y dans ces trucs. Allez-y. Allez-y. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est allez-y. Et puis une fois que vous y êtes allé, et puis que vous avez décidé de partir de ces trucs, bah je vais dire le truc le plus con du monde, mais qui est le plus vrai du monde aussi, et le plus difficile à faire, c'est accrochez-vous. Accrochez-vous à tout ce que vous voulez, mais accrochez-vous. Accrochez-vous, prenez comme aide. Bah, vous pouvez avoir un parrain, vous pouvez vous prendre comme béquille votre fils, votre fille, vos enfants, pour vous aider à dire fais pas le con, à tout ce que vous prenez, tout ce qui vous est important pour vous, qui soit vivant, et puis avancer. Parce que ce que vous savez, vous le savez. Dans le sens que vous avez appris, va pas s'envoler parce que vous avez bu comme un torchon ou autre, ou comme une torchonne, voilà. C'est très 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 important, mais c'est aussi très très dur. Ça, arrêter de boire et puis de réussir à pas recommencer, c'est plus dur que de soulever 700 kilos, soulever de terre ou des conneries de ce genre-là, hein. Bon, 700 kilos, ils n'ont jamais fait, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est du costaud. C'est pas un exercice facile. C'est plus dur que tout ce que pourrait soulever ou avoir comme difficulté un bodybuilder dans sa vie. Voilà, niveau effort de soulever des poids, bah, ça c'est le plus lourd. C'est le plus lourd. Les addictions, c'est ce qui est difficile à arrêter. Que ce soit. Les drogues, l'alcool, toute la bouffe ou autre, c'est très 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 compliqué parce qu'on pense que une fois qu'on a arrêté, c'est bon pour la vie. Hein. Ouais. Nine. Très dur. Extrêmement dur. Au début, c'est dur. Moi, j'ai arrêté 4 ans. J'ai arrêté 4 ans de boire. Pas bu une seule goutte. Une. J'avais tellement peur qu'une seule goutte me fasse reprendre. Tu viens un peu? Non. 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 4 ans. 4 four fucking years. Et maintenant, tranquillement, bah voilà, je me suis stabilisé à un certain nombre de verres et puis voilà. Et en mangeant, bien évidemment. C'est beaucoup plus agréable. Et puis c'est plaisir pur. Après je m'arrête, je fais mon sport, je fais ma vie, et voilà. Mais voilà, vous voyez, c'est. Ça a beau faire X nombre d'années, ben voilà, un petit bout de quelques fascicules. Et puis pouf, de l'impression de les avoir perdus, et pouf, c'est d'un coup. Oh merde! Ma béquille! Mon pense-bête qui me dit, ah, tu vois, tu y as été, là, tu y as été. Mais si tu y perds, tu te souviendras peut-être pas que tu y as été. Ce qui est complètement con, quelque part, parce que j'oublierai rien. Mais, c'est important. Ces bouts de papier. C'est très, très, très important. Puis vous avez toujours, de toute façon, vous pouvez trouver sur Internet, hein, vous pouvez trouver sur Internet ces choses-là. Et puis vous pouvez trouver les endroits où ça se trouve dans la ville où vous êtes. Hein, vous allez sur Internet et puis vous trouvez tous les endroits. Voyez ici par exemple, il y a tous les endroits sur Genève et puis sur Genève et Lausanne. Il y a même en anglais. Et puis là, vous avez tout le truc qui explique, voilà, tu as osé, etc. etc. Donc je vous laisserai régler avec votre propre caméra si vous voyez quelque chose, sinon tant pis, de toute façon c'est pas, voilà. Mais ouais, encore une fois, accrochez-vous. Moi, ces trucs-là, j'ai cru l'avoir perdu, j'ai commencé à flipper, hein.
Et je rigole pas là, du tout. C'est pas du pseudo-drama à autre. Hein. C'est pas du, je sais pas, moi je joue dans ma chaîne, on joue pas. Hein. Moi je joue pas avec les émotions. Hein. Le jour où je suis triste, le jour où je pleure, je pleure. Le jour où je suis fâché, le jour où ah, je suis pas en train de. Je suis pas acteur moi. Hein. Ici, il n'y a pas d'acting. T'as de l'acting, oui, quand je fais mes petites voix, quand je me marre, quand machin, oui, ça, il n'y a pas de souci. Même que le sujet soit compliqué, vous avez vu, j'ai fait ma petite imitation de merde allemand, etc. Mais voilà, pour essayer de dédramatiser pardon, la chose, mais. Et ça restera. Le sujet restera important, hein, faut pas croire. Hein. Il y a certaines comédies ou autres, des films comme ça, le film est drôle, mais en sous-jacence, le sujet est lourd. Vous voyez, vous prenez par exemple Machete, le premier. Ça, c'est un film de série Z Total. Bon, c'est gore, tout ce que vous voulez, mais le fond du film, c'est l'immigration des Mexicains aux États-Unis, avec les murs, etc., etc. Donc le fond du film est important, mais tout ce qui est autour, etc., c'est à mourir de rire, hein. C'est gore, mais c'est à mourir de rire. Mais voilà, puis c'est complètement délirant, mais voilà, c'est le fond de l'histoire est important. Alors voilà, là c'est un peu la même chose, j'essaie de le faire comme ça avec ma chaîne, mais il n'y a pas d'acting, il n'y a rien, je vais pas faire semblant de pleurer, je vais pas faire semblant d'être ci ou ça. Ça, c'est exclu, mais exclu. Mais c'est vraiment fichtrement exclu. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit si vous bouffez. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Ciao!